connaître votre partenaire idéal. Mon nom est Célène, je suis astrologue. Je vous conseille par Minitel. Sur 3615 Célène, en consultant duo, vous apprenez à mieux connaître les signes avec lesquels vous avez le plus d'affinité. Tous les jours, je vous parle de vos relations avec les autres. 3615 Célène, l'astrologie sur Minitel. Beaucoup de petites filles demandent un petit frère. Mon petit frère chéri est une adorable poupée qui fait pipi et à qui on donne son biberon. Ses petites fesses deviennent rouges et on les soigne avec le produit magique. C'est un petit frère à aimer et à dorloter. C'est mon petit frère chéri. Découvrons ensemble le monde merveilleux de la nouvelle collection des bijoux Mati. Un monde où tout est or, vermeil, pierre fine ou pierre précieuse. Comme cette splendide bague ornée de saphirs et de diamants montés sur or. Un monde d'élégance, d'éclat, de pureté et d'harmonie. Comme les perles de culture de ces bijoux d'oreilles, discrets comme leur prix. Ou ces trois anneaux d'or, jaune, rose et gris entrelacés. Ou encore cette magnifique chaîne en or, rehaussée de votre prénom et sertie de diamants. Le monde Mati, c'est des milliers de bijoux d'une exceptionnelle qualité qui vous sont offerts à des prix directs fabricants. Un monde que vous pouvez découvrir tranquillement, chez vous, en téléphonant au 05 20 05 10 pour demander une documentation gratuite. Un monde qui vous invite à profiter d'une remise exceptionnelle de 20% sur votre premier bijou si vous appelez tout de suite le 05 20 05 10. L'appel est gratuit. Une cassette vidéo et un sigle mystérieux vont troubler la vie du journaliste Frank Collins. En partant pour Istanbul, à la recherche de ses origines perdues, le piège se referme. En emmenant sa fille, il commet sa première erreur. Il vient d'offrir une belle prise au chantage. Vendredi 20h30, Istanbul. Descendu, hein. Ouais. Printanier. Oh là, ça claque terriblement, ce blanc. Je me hisse comme ça, vous voyez mieux les motifs. Ah. Pourquoi vous hissez? Ça veut dire quoi? Ça se parle pas à qui vous dites, hein? Non, personne ne précise. Bon, un peu de sérieux, je vous explique en deux mots ce qu'est l'émission. Imaginons que vous la découvriez aujourd'hui pour la première fois, car c'est possible. Chaque jour, de nombreux spectateurs nous rejoignent. Nouveau. On peut en rêver, en tout cas. Donc, merci d'être là, et voici en deux mots de quoi il s'agit. Des questions et des réponses. Il n'y a pas plus facile. Les questions viennent de vous, et les réponses viennent d'eux. Je vous demande d'applaudir nos humoristes. Ouais, surtout, là. Gérard Lucille, Claire Douglas, François Brunol et les savants Marielle Bellac, Claude Quettel, Jean-Marc Epinou. Poser d'habiles questions suffisamment pour duper les humoristes, parce que je suis désolé, mais c'est ce qu'ils essayent de faire. Bah, on pour le cachet, on est prêt à tout. Hein. Ouais. Ça, bon. C'est pas... Regardez mes sapes, alors, je veux dire, j'ai besoin d'acheter des sapes. C'est vrai, vous avez des problèmes budgétaires? Oui, financiers. J'ai un pote dans le sentier, mais ça marche pas en ce moment. Alors, donc... Bien, on va passer tout de suite à la première question. Non, auparavant, la liste des cadeaux, car c'est important. Certains ont cru que j'allais oublier. La liste des cadeaux, la voici. Pour 1, 5, cartez votre code à 1, 5, 2, 5 ou 4, 5. Pour 1, 5. Là, j'ai pas compris ce que vous aviez dit. Pour 1, 5. C'est une unité. Ok, 5. Allez-y. Donc pour 1, 5, on peut gagner des jeux d'échecs électroniques, des téléphones cabine, format cabine anglaise. Je vais prendre des notes. Prenez notes, s'il vous plaît. Des téléphones néons transparents ou des montres. Pour 2, 5, ce qui est mieux, on gagne des radiocassettes laser, des autoradiocassettes avec enceinte ou des radiocassettes laser. Enfin! Paralysiaque irréel, mais pourtant vrai. Pour 4-5, des magnétoscopes. Oh, formidable.
Bon. C'est vachement bien, hein. Ça se passe très très bien. Je suis content que ça vous plaise. C'est bien, hein. Moi, j'ai noté, alors, des magnétoscopes. Bon, alors, mon cher Marc, nous écoutons. Bon, et nous allons écouter montres. La première personne sur le plateau, car c'est le public qui prend la parole. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est le public. La première personne est Edith Delacour de Chartrette, c'est en Seine-et-Marne. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Très bien, vous comptez faire ça à chaque fois? Non, pas à chaque fois, mais ça va. Bon, d'accord. Quand même parfait. Excusez-le, micro, bien près le micro, hein, qu'on vous entende bien, bien près, fort et clair. La question pour nos amis. Voilà. Un écrit de 1553 affirme que Gilles de Gouberville distilla du cidre pour obtenir de l'eau de vie. C'était à Ménil-en-Val. Mais il faudra attendre le 19e siècle pour qu'elle soit baptisée Calvados. Mmh. Savez-vous quelle est l'origine exacte de ce nom? Bon, la question est un petit peu longue. Pardon. Non, la résumé en deux mots, d'où vient le mot Calvados? Top chrono, c'est parti. Est-ce que c'est la réunion de plusieurs mots? Par exemple, cal, va et dos, non? Non. Pas du tout. Mmh. Dos, valka alors, non? Non, non plus. Faites aucun effort, vous. Hein. Non, non. N'en faites pas trop non plus, là. Bon. Alors, attendez, Calvados. T'as entendu ce qu'elle t'a dit? Oui, mais méchanceté, c'est pas grave, ça me de plus. Dites-moi, c'est un rapport avec le nom de la personne que vous avez citée? Non. Ça, non. Non, non, aucun rapport. Aucun rapport. Ça m'énerve, cette musique. 5. Françoise? Florence, pour les Florence, amis. Florence, c'est pourquoi bien. Non, je vais dire. Bah, appelez-moi André, oui, non, c'est mais pas souvent, grave. Ça m'arrive, je veux dire. Vous m'appelez André, Jean-Michel, ça va le être Calvados, très bien. Calvados, bon, j'en bois tous les jours. C'est peut-être pour ça que ça se met dans un état pareil. Calvados, donc d'où vient l'origine du mot Calvados? Oui, c'est ça la question, c'est bien d'avoir compris. Il n'y a pas... Oh, dites, ça va bien. Il n'y a pas... Vous avez des papiers, vous, j'ai vu. Il n'y a pas... Non, il n'y a pas. Est-ce que... Moi, on n'a pas envie de faire parce que ça les aide. Bon, les savants, est-ce que vous le savez? Moi, le normand. Bah, oui. Oui, ça n'intéresse personne, mais il se trouve que j'habite dans le Calvados. C'est vrai, ça n'intéresse personne. Donc, je suis concerné par le problème. L'origine tout à fait officielle, mais qui est désormais réfutée, par les savants, c'est ce navire de l'invincible Armada qui se serait appelé le Salvador, qui aurait donné Calvador, puis Calvados. Et ça me paraît complètement faux. Un navire qui serait échoué... Qui se serait échoué au large des côtes du futur Calvados. Et lorsqu'on a créé les départements, on a donné ce nom de Calvados. Mais l'origine, en fait, est certainement inconnue. Mais enfin, officiellement, c'est ça. Nous avons, c'est celle que nous attendions. Bravo, M. Quettel. Alors... Vous avez gagné un petit cadeau, une valeur de 2,5. Est-ce que vous voulez tenter un défi pour un magnétoscope? Ce serait bien. Oui, oui. Ah, voilà, qui est courageux. Si vous reprenez ça, tirez une carte et vous me la rendez. Celle-ci, parfait. Ne vous inquiétez pas, on va tout faire pour ne pas répondre. Allez-y. Alors. On va souffler, alors. Et nous vous mettons au défi, on ne souffle pas derrière, car je serai vigilant et ferme. Nous vous mettons au défi de citer, ça c'est facile, 5 des 15 républiques qui composent l'URSS. Top chrono. L'Ukraine. Ah, pardon, oui, d'accord. Une. La Moldavie. La Moldavie, 2. L'Arménie. 3. Encore 2. La Russie. La Russie, 4. Il en faut encore une. La Sibérie. La Sibérie n'est pas une république. Ah ouais. Vite. Commençons par quoi? Par un tu. L'Azerbaïdjan. La Lituanie, la Lettonie. Les Pays-Bas. C'était 4 de marquer. Non, c'était 5. Lituanie, Estonie, vous en connaissez? Allez-y. Lettonie, la Biélorussie. Azerbaïdjan, Géorgie, Turkménistan, Ouzbékistan, Lettonie, Estonie. Je suis désolé. J'étais occupée à écouter les gens souffler, j'ai pas réveillé. Et voilà, exactement. Et ben, je suis confus, vraiment. Un petit cadeau de consolation. La marche Tony. Un petit cadeau pour baladeur. Pour vous boucher les oreilles. Un tout petit magnétoscope, vous verrez. Merci beaucoup. C'est gay, ces émissions. C'est terrible, hein. Ah non, mais j'aime bien. On c'est passe gay, des moments poignants quand les gens échouent et se couler. C'est comme ça. On accueille Marcel Aymard de Dompierre, dans la Somme. Vous prenez bien le micro et vous parlez bien après. Mais pourquoi vous n'embrassez pas Marcel? J'ai bien embrassé mademoiselle. Mais vous, faites ce que vous voulez. Moi, je fais ce que je veux. Faites un effort, mon vieux. Alors, votre question, allons-y. Alors, voilà la question. Oui. Ça tombe bien. De quel récit mythologique nous vient l'expression « né de la cuisse de Jupiter » Top chrono. Non, De quel quoi? De quel récit mythologique? De quel récit mythologique? La cuisse de Jupiter. Oui. Eh bien, c'est un récit mythologique, je me permets de vous le dire, tyrambique d'ailleurs, qui est un récit mythologique. Aide-moi un petit peu. Mythologique, c'est ça. Oui. Et vous savez ce qui s'est passé à cette époque? Donc, comme c'était donc un récit mythologique, il s'est passé des choses extraordinaires. Oui. Et vous allez voir ce qu'ils vont vous dire.
Parce que normalement, ils savent. Nous, on ne sait pas. Et on ne sait vraiment pas. Bah, le récit mythologique, Jupiter. Quelque chose. La cuisse de Jupiter, qu'est-ce qui est sorti de la cuisse de Jupiter? Bah oui, c'est ce qu'on doit savoir. Eh bien, on va trouver tout de suite. Qu'est-ce qui est sorti de la cuisse de Jupiter? Qui était Jupiter? Enfin, chercher. Jupiter. J'ai connu un mec, Jean-Marc Jupiter, mais c'était pas du tout. Non, rapport, rien à voir. On n'a pas avancé de beaucoup. Mais vous est-ce le savez, qu'à droite, on est mieux placé? Oui, c'est une belle histoire, comme je trouve toutes les histoires de la mythologie. C'est un beau roman. En fait, Jupiter était amoureux de la fille du roi de Thèbes, de Sémélée. Ouais, c'est ça, ouais. Et sa femme, Héra, était très jalouse. Et elle a donc elle a pris les traits de la nourrice de Sémélée et elle a conseillé à Sémélée de demander à Jupiter, comme preuve d'amour, d'apparaître dans toute sa splendeur divine. Or, Jupiter, ça, apparaître dans sa splendeur divine, ça voulait dire apparaître armé de la foudre. Donc Jupiter est apparu foudroyant, et tellement foudroyant que le palais a pris feu, que Sémélée est brûlée vive, et elle porta un enfant de Jupiter, que Jupiter a réussi à sauver, et il l'a caché dans le gras de sa cuisse. Et ensuite, le dieu Bacchus pour les Romains, Dionysos pour les Grecs, est donc sorti de la cuisse de Jupiter. Ouais, mais enfin, quel crétin ce Jupiter, il m'a fait connerie sur connerie quand même. Non, il a sauvé l'enfant. Non, mais il a sauvé l'enfant, la cuisse avec la femme. Non, c'était surtout Sémélée qui a eu une c'est parfait, c'est Mélée, on ne peut pas rêver mieux. Quand même. Oh là. Réponse excellente. Est-ce que vous voulez tenter? C'était Junon. Junon, la femme du dieu. Junon, c'est parce que c'est... Ce sont les dieux grecs qui sont repris par les latins. Vous avez raconté l'histoire de la cuisse de Jupiter, mais alors l'aile de Jupiter, c'est quoi l'histoire? Ben, parce qu'après la cuisse, on pourrait peut-être avoir l'histoire de la cuisse. Vous allez peut-être tout la raconter, non? Dites-moi, un petit magnétoscope, vous faites plaisir, on essaye de gagner un magnétoscope ou pas? Ou on se contente de ce qu'on a? Vous pouvez essayer? Ah, très bien. Oui, oui, oui. Alors, allons-y. Il est content, là, il a une question. Ah là, c'est pas... Vous vous plaisantez ou quoi? C'est fou, ça. Nous vous mettons au défi de citer en moins de 30 secondes. Trois noms communs se terminant par le son « heure » et finissant par une autre lettre que le « r ». Un exemple, « beurre ». Vous m'avez compris? Oui. Alors, vous êtes chrono. Complet, hein. C'est parti. L'heure? Oui, l'heure, bien sûr, oui. L'heure. Ça fait un. Chandeleur, ça ne va pas? Non. Non, pas un nom commun. Ça va pas. On est à un pour l'instant. Chut. Alors il y en a un qui est tout près, là. Hein. Oui, celui que vous avez trouvé, ça ressemble, quoi. C'est presque la même chose. L'heure. L'heure. Un leurre, oui. L'heure. Ça fait deux. Oui, mais... Il nous en manque deux, encore. Aïe, 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 aïe. Vous en avez trouvé un, Marcel. Non. Un heure. Un heure, oui, ou une demeure, des par fleurs. Exemple. Des fleurs. Oui, non, mais des fleurs. Ah, bah oui, je suis désolé, ça reste, hein. Oh là là, terrible. Mais je suis confus. Je vous donne à vous aussi un petit baladeur, il n'y a pas de raison, après tout. Tenez, c'est pour vous. Voilà. Là, excusez-moi. Je ne peux pas gagner tout le temps, hein, c'est comme ça. On va accueillir Monique Ruth de Mons dans la Somme. Monique, je vous attends. Bonjour. Parlez bonjour, bien Monique. Près du micro et n'hésitez pas à être très dur. Bon, d'accord. Pour un artisan du bois, jusqu'à la fin du 19e siècle... Dites le 20e sinon. Oui, celui avant. Oui, qui était une Sorbonne. Ah, un artisan du bois? Oui. Une Sorbonne. Top. C'était un outil qui permettait de coller deux choses ensemble, c'était... Qui permettait de sculpter? Non. C'était un... Est-ce que c'était un outil, d'abord? Non. Une sorte d'outil. Vous disputez pas, on n'a qu'une vie. Un objet. Pas vraiment un outil, non. C'est pas un objet. C'est pas un outil. Il s'en servait pas, ça s'appelle pas, la Sorbonne. Une Sorbonne. Est-ce que c'est une Sorbonne, avec Sorbonne c'était le fruit de quelque chose? C'était ce qu'on récupère ou ce dont on se sert? C'était on utile? On s'en servait, oui. Utile. C'était utile. Un poids? Une forme de poids? Non, vous disiez? Oui, il s'en servait donc comme atelier, je veux dire, pour oui, dans l'atelier, absolument. Dans l'atelier, pour faire quelque chose. Pour, oui. Sorbonne. Mmh. Oui. Genre un sac dans lequel il mettait des copeaux. C'était pour travailler le bois. Oui. Oui. Mais c'était pas un outil. C'était pas un outil. C'était pour décorer, pour décorer. Non, c'est pas exactement ça, mais je vous concède que c'était assez difficile. Si on ne connaît pas, vous la trouvez, ça c'est formidable. On a une petite idée, mais on s'interroge sur l'origine. Mais comme ce n'est pas la question. Parce que. J'ai l'impression que chez les ébénistes, c'était le poêle sur lequel on faisait chauffer constamment la colle qui servait à coller les lames de bois. C'est ça. Mais c'est on se demandait quelle était l'origine par rapport à la pouvez-vous grande. Comment pouvez-vous savoir ça? Vraiment, je suis sidéré. Et parce qu'il est arrivé un quart d'heure avant croisés, tout le monde. Les mots croisés. Moi, c'est une réponse parfaite, Côte-Quétel. Les mots croisés. Simplement.